Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Alors Julie, comment ça va? Bonsoir, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de cuisine. Bah écoute, ça va super bien. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous trois cuisiniers. Trois cuisiniers. Pour le même prix? Pour le même prix. Et formidable. Qui te cuisinent des trucs, mais on fait des économies ce soir. Voilà. Avec des super caries ce soir. Donc, on a trois cuisiniers. Toto. Oui, Toto est gratuit, généralement. Hein. Oui. Bernard aussi est gratuit. Et l'invité surprise, Marlboro. Voilà. Marlboro, t'as des cigarettes affinées que ça. Hein. Ah, mais ce soir, Marlboro a décidé de faire pour nous ce soir une cuisine chinoise. Ben, d'après où? Toujours. Donc, voilà, il est fidèle à ses racines, comme ouais. Il dit. Donc, ce sera un crevette au bread. Oui. On verra la suite. Oui. Toto nous propose un curry à la créole pêche cavale. Oui. Et Béana nous propose un curry authentique, un curry steak deux œufs. Vous plaisantez là? Vous plaisantez? C'est pour ça que ma perd un peu le fil. Hein? Mais absolument pas. Les c'est bons, le curry de la soirée. D'accord. Alors, qui voilà. Sont cachés des hauts comme ça là, 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 là. Calix. Calix, hey, mais Calix est aspiré à plus ce soir. Hey, Julie, hein? Oui, Calix. Toi, tu es une mannequin, mais aux cachettes. Mais cachettes des hommes. Mais voilà. Plus beaucoup, moi, des hommes ou à plus. Et bien, voilà, t'es. Non, mais mes cachettes. Oui, Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bah, bonsoir, oui. Canal Austral. Eh, Miwan a bon pays. Histoire sur la table. Hein? Ben, n'a joignon, n'a laï. Ce mot, ça n'a pas laï. Ça n'a pas joignon pays. Est-ce que je n'aurai le joignon, le lait
C'est un gros projet. Le prix. Comme le on prix. Dirait, hein, c'est un gros chantier. Voilà. Un gros chantier, hein, Julie? Oui, tout à fait. Hein? C'est le département qui travaille là-dessus. Ah, ah bon, le département travaille là-dessus, hein, alors. Oui. D'accord, ok. Hein. Mais pour arriver à avoir les oignons, arriver à quitter Madagascar à 0,50 centimes d'euros, là, hein. Et nous, on a du travail encore à faire, hein. Oui, mais c'est en marche, on a dit. Ah bon, on d'accord. On est vers la biodiversité et la bioculture, donc voilà. D'accord, oui. Avec la bioculture. Donc, on va privilégier les oignons bio. De oui. La Réunion surtout. Voilà, et, on voilà. Voilà. Et nos amis malgaches, comment ils vont faire? On va exporter du hein, parce qu'on a les amis malgaches sûr. Avec nous là. Comment elle est lancée? Ça va? Oui. Ah, d'accord, malgache dans l'âme aussi? Oui. Mais parce qu'il y a maman là-bas, comment ça va? Maman se cache. Ça va? Ça va? Oui, ça va? Ça va hein. Alors les oignons à Madagascar, 0,50 centimes d'euros là. Mais tu oui. Connais pas trop, c'est toi? C'est dommage. Ouais. Pourquoi c'est dommage? C'est moins cher. Ah, c'est moins cher là-bas. Ouais. Hein, là-bas. Et qui tu caches derrière toi comme ça là-bas c'est aussi? C'est moi. Ah, c'est toi? Ah, oui. C'est sa nièce. Ah bon, et c'est comment toi? Comment? Comment toi? Comment tu t'appelles? Ben, Vera. Vera? Oui. On verra, on verra Vera, pas. Vera du Sud. Vera du Sud. Du Sud, c'est coiffeuse. Ah, une coiffeuse. À domicile. D'accord, oui. Alors. Coiffeuse, alors. Oui, à domicile. D'accord, alors. Hein. Et puis, dans l'équipe malgache, ce soir, on a encore Richard avec nous aussi. Richard, comment ça va? Mais Richard, tout le monde te connaît ici, toi. Hein? Ah oui. Hein? Ouais. Fidèle à Canal Austral depuis combien d'années? Ça fait 12 ans. 12 ans déjà ici, hein? Ingénieur son, image et tout ça. Hein? Hein? Musicien, oui. Aussi. Musicien aussi, bien sûr. Hein? Importé de Tuléa. Tuléa. Hein? Ouais, 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 hein? Ouais. C'est pas tu le chat, hein? C'est Tuléa. 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 Allez, bon, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. Mais dis-nous, le nom malgache pour dire Tuléa, c'est comment? Tuléa. Tuléa. Ah, d'accord. Tuléa. Tuléa. Ok. Après, nous, on a Charline aussi. Charline, comment ça? Ça va très bien, bonsoir tout le monde. Comment ça arrive le Rita ce soir? Ben oui. Hein, tu veux faire une surprise? Oui, non, mais fais un petit peu la sieste. Charline. Ah, où la star, grand restaurant Paris? Là, où là, soir? Hein? Comment on fait ça, où là? Ça, là? Comment Calice fait ça? Le cabaret. Cabaret de. Le Moulin Rouge. Rouge. Moulin Rouge. Moulin Rouge, ah. Voilà. Bon, c'est pas le Crazy Horse. Hein. Crazy Horse? Non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas Crazy Horse. Bon, c'est parce que tu le vois bien. Ok, alors. Alors, nous, on a d'autres personnes là-bas. Comment ça va, Edwige? Ça va bien. Ça va, Edwige, vous cuisinez pas ce soir? Un petit coup de main. Un petit coup de main, alors. Mais par contre, Bernard, hier soir, il cuisine. Alors, Bernard, viens un petit coup à côté de moi ici. Hein. Bernard, asseoir là. Hein. Dis-moi un petit coup, qu'est-ce que ça fait? Mais ben, Julie Findi. Ben. Donc, on pense que, ben, tu vois, aujourd'hui, que nous sommes que du poisson. Pescaval. Je veux dire que Canal Austral n'a pas que la viande. Oui. Ce soir pour la viande. Ce soir pour la viande, comprends? C'est vendredi. Il veut dire que nous respectons aussi. Hein? Donc, nous donne des bons exemples. Il faut manger du poisson aussi. Ça ou là? Hein? On respecte qui ou là? Ben, les citoyens. Un bon petit tout ça. Mange pas la viande. Tu manges pas la viande? Le swami pense que le menu est très correct. Très correct. Moins lourd. Moins lourd. Hein? Mais bon. Ben, ce swami, ça fait un steak de œufs. Un steak de œufs. Ouais, d'accord. C'est ben, des œufs frites, hein. Après, avec roussien, un peu d'oignons et tout. Frousser les épices et pas les œufs frites dedans. Ouais. Parce que oh, ça fait un affaire au béni glaçon. Si Bernard fait steak des œufs, moi, m'accompagner avec des trois béni glaçons. Béni glaçons. Ben ouais. Bon, Azotlas. Ça, c'est ben, 2020, ça, non? Ben voilà, voilà. 2020. Après, on ne sera pas tout seul ce soir aussi, ouais. Hein, parce que nous, on a Marlboro aussi ce soir. Okay. Marlboro, comment ça va? Ok, Marlboro, il est là, 974, les tuyaux. Nous, on chante un petit coup au début de l'émission. Oui, hein. Mais... Marlboro, toujours. Et puis, ouais. Ben, écoute, par contre, Jean-Claude Godet, mon avis, la manière. Ah bon? À moi, c'est avant toute chose, à soir, nous, quand on a l'Austral, nous, on a Calice, Grand Dallon, il est là. Jean-Claude Grindin, pas Grindin, Grindin. Marlboro. On passe au clan là. Pas Grindin. Voilà. Mais tous nous connaissent, c'est le king. Rattrape à où? Ah bon, il n'a pas très longtemps, mais il connaît ce fameux monsieur là.
mais il est devenu un pote à moi et Toto, nous avons peu de choses pour nous raconter. Nous, voilà, gaillard, en commun, on a beaucoup de choses. En commun, et puis nous avons un musicien qui est là aussi, gaillard. Hein. Christian. Non, Christian, voilà. Et un autre cuisinier là. Ah, nous, bah, qui ne connaît pas Patrick ici. Hein, qui ne connaît pas Patrick bon, ici. Voilà. Elle espère aussi les personnes de Canal Otan. Eh, Yann, elle espère qui ce soir. Ah, oui. La dame, nous, elle retire le coup, elle m'a dit qu'elle est juste pas même la case. Et voilà, et puis d'autres, mon nation. Et toutes les bonnes téléspectateurs, ils supportent Canal Austral, quoi, et tout, à moi, ils demandent à moi, hey, comment il est Caliste? Caliste est toujours à Gabier, est toujours là. Et puis, ben, gros big up et pour tout le monde. Malboronin, si un prise bientôt, plus autre. Et avec le cœur et avec l'amour, on est là, tout ça là-dedans. Mais de toute façon, là, suivre Canal Austral, les autres vont voir ce que Malboro il fait. Et Jean-Claude, et ils mettent à nous en l'air, Jean-Claude, il a toujours mettre à nous en l'air. Si Marlboro, ils ont dit à devenir chantier, c'est un peu à cause de ce Marlboro-là. Marlboro, hey, arrête, hey, vous connaissez que même Marlboro, moi, je suis lion facilement. Oui, alors, vaut mieux arrêter, Mais dans mon étoile, maintenant, sur mon camarade là-haut, big up à toi, gros Marlboro. On va se faire taxi, lui. Ah bon? Le beau gars Marlboro, allez, il est en case. T'es Marlboro, il me dit comment elle est Marlboro. Dis-toi, mon bon Marlboro, il me dit, t'es la haute tonation, quoi, t'es Marlboro, t'es la haute tonation, quoi. Ah ouais, chinois. Et du coup, il crie à moi, t'es Marlboro. Ah bon, t'es Marlboro. Oui, il a dit, mon mec, dans l'Austral, tout le temps, mon Marlboro. Mais Marlboro, là, bon cœur, Marlboro, il donne manger, Marlboro, il fait service, Marlboro, les... On comprend, c'est un vrai. Cuisinier, là. Oui, voilà, 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 voilà. Quelle religion il donne manger, de monde vient manger, ou les blancs, ou les noirs, ou les jeunes, il donne à manger, il fait qu'il mange, il donne bon Dieu. Mais sans tes commences là, toute nation, toute couleur, santé, tout ça va. Ici, la réunion, bonne maman. Allez, envoyez. Non, moi, quand il parle mal bas, il me chante. Siva, siva, soukoule, manuel, vina, yegel, vanda. Krishna, Krishna, mon lance, Gabriel, mon gardien, bef, mon govinda. Gabriel et sa gars sont en bide, y'a qu'on boit Goletten, c'est qui Big up Daniel Waro, mon fils de malade. Voilà. Hey, bravo, bravo, bravo. Big up Daniel Waro. Ouais, 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 ouais. Ouais, là-bas, c'est Daniel Waro. Et ici, c'est Daniel Waro. Oui. V, W, voilà. Alors, et alors, avec le petit peu de sang chinois qui reste à où, qu'est-ce que ça fait à nous à soir? Moi, ce soir, j'ai une tombe à l'air, manger les kikosons. Manger les kikosons. Super. Le bon roi, à soir, faisait bread. Dans le pouce. Beaucoup bread l'a coupé à lui comme ça, petit. Hey, comment c'est ça? Comme ça, bien, 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 bien. Là-dedans, nous marier avec un petit crevette. Ouais. Et des petits champignons. Voilà. Bien sûr, un jambon obligatoirement. Pourquoi un là-dedans, Marlboro? Et pourquoi? Pour bannir du fait lève la jambe, ma cousin. Non, pour donner notre goût, Kali. La voix. La voix. Tu connais. Bon, voilà. Donc, un petit crevette au bread. Voilà, un petit crevette au bread à la chinoise, bien sûr. Excusez-moi, mon cher patriote. Non. Et il y aura un petit spécial, sauce d'huile. Ah, oula, vous veut pas travailler avec Béana ou. Non, mais mon Béana. Vous êtes Béana là. Parce que Béana là. Il y a un bout de temps aussi quand on est à l'Australie. Il veut plus aller aussi comme moi. Mais on connaît que Béana n'aime pas. Oui, mais moi. Non, mais moi, j'ai bien là. Le problème. Non. Pas de siave. Le problème de la réunion, quand nous trouvons une affaire, elle est bon, je t'y mets dans tout. Mais moi, le siave, le sauce d'huile, m'y mette toujours quand c'est une petite cuisine, chintok maolé, mandel les kikosons. Hein? Mais nous, ça va pas mettre siave dans les masales cabouis, c'est un gâchis. Mais non, mais les pas. Non, mais les pas. Non, mais les mouni connaît. Big up, gros lui. Moi là, moi je suis vé. Hey, moi là. Passe. Non, il y a déjà une cause avec lui, moi, restaurant gros, lui, ça a oh, parle pas des personnes de pas là. Parle des autres. Non, un big up pour lui. Un big up, un big up, un big up, un big up pour lui. Non, un big up pour lui. Comme hey, ça, moi, on donne restaurant. Oui, mais restaurant là, ma maille. Toutes affaires. Bien. Moi là, moi, j'ai un massalé cabri là-bas. Moi là, mon nom, c'est avec. Il connaît moi bien Marlboro là-bas. Je viens avec mon madame tout le temps, avec mon série. Et nous viens manger là-bas.
Mais il dit aussi, ah ben, je sais, c'est un malba avec Harry là. Dis-moi comment tu connais. Il dit, mais qui fait un massalé comme ça avec un malba? Tu comprends? Le manger là-bas, le bon, big up à Zot. Et comme il mange là-bas, maintenant, Canal Austral devant manger, il mange, il garde mon gueule. Mon figuier, il mange mon gueule, les dames de lait. Les bons, les bons. Mais envoie un petit coup, Toto. Toto, parce que ce soir, Toto, ben, les causes, bon, paix. Ah, ou là, tout le temps, vous mettez votre poche, tout ça, là. Ah, ou c'est un monde timide, ou cause pas bon, paix. Mais par contre, tout fait, ou à soir, ça fait, nous. Mais pense que tout le monde l'a tout dit, non? Il y a un petit grand chose pour moi à dire. Alors, fait, ce soir, hein? Ben, on va essayer de faire un petit truc, hein? un petit carré poisson. Petit escaval? Ouais. Les bons. Jean-Claude! Faut-il aller aux eaux? Ben, c'est un massalé que ça, frère! Petit carré créole, moi? Ouais, Patrick Coiffé. Patrick Café? Patrick, on fait un petit carré créole? Comment faire? On a fait un petit coup. Vous êtes des totos, alors? Les bons, alors. Ou manchot ou pascaval? Ben oui, moi, pascaval. Bon, les bons, alors. Aujourd'hui, tu fais guitare aussi à soir avec nous. Hein? Ok, les pêches après ils sont en cavale. Les bons, comment? Les pêches après ils sont en cavale. Après ils sont en cavale. Connais, Toto, là, l'habitude quand on va lui faire la cuisine, on va mettre des mains là. Hein. Sauf son moteur, là. Il faut pas aller faire le carré. Ben. Les bons, alors. Bon, allons, chauffe un petit peu ma méthode que le moteur, hein, les bons. Ok, les parties. François, allez, bon, ça va? Richard, tu chauffes? Ça fait du bien. Il fait froid. Mais bon, on va commencer à cuisiner là alors. Là, c'est bien là. C'est bien là? Je suis bien avec le fait de boire. D'accord. Massalé clair. Comme on est bien habillé, là, on sait le toit et poisson. Oui, c'est ça, on somme l'esprit cuit. Oui. Et là, on demande le toit et poisson. Et parce qu'avant, c'est quelque chose, là, trop arrêter. Non, non, il faut tirer ça. Il faut tirer ça, hein. Ouais, voilà. Ouais, parce que des côtés, après on passe un petit coup vite au dessus, voilà. Puis on enlève les viscères, hein, comme on dit, et après voilà. Bon, hein. Oui. Parce qu'on ne coupe pas crochet, ça, hein, c'est un poisson pas crochet, un poisson bon marché, ça. Oui, 5 euros le kilo ce matin, comme la pille. Où ça? Cabuston, 5 euros le kilo. C'est vrai? Ben. Ouais. Ben. Mais il n'est pas trop bon, lui, non? Ah non, ça est bon, ça, mamie. Mais il n'y a pas que les os, pas que les arêtes. Poisson, pescaval, sardine de la mamie mange. Ah bon? Ah oui. Mais il ne faut pas manger ça la nuit parce qu'après, là, il faut faire attention aux arêtes. Oui, ben, faut pas donner ça à ma mère aussi. Oui, ben, moi, m'y mange. Ah, on mange ça? On commence ça en sauce, massalé. En sauce, massalé. Là, elle mange bien. Oui, friture aussi, avec un petit peu de grain, bon sauce piment. Ah bon? Et là, elle a bon goût piment, là-dedans, un jambe, fait qu'on va et tout. Ah bon? Elle est grillée aussi, non? Ah, grillée aussi. Grillée aussi, grillée comme ça? Ou feu piment. Soit piment vert ou bien piment on met piment sec. Dans le ventre. Papa, qui n'était pas marin pêcheur, papa, t'es fait ça tout le temps pour moi. Hein, tu rouvres le ventre, tu mets piment dedans, après tu fais griller. Oui, oui. Après tu rases un petit côté épais citron dedans. Ouais. Ah, les gaillards, ça c'est bon, oui. Ah, là, les bons, hein. Mais parce qu'aval est un petit peu plus gros que la sardine. Et le goût, voilà, il n'est pas pareil, hein. Il n'est pas pareil. Parce qu'un pescaval, il se mais là, il y a encore moitié, encore, il y en a plus gros aussi. Hein. Ah oui, il y en a plus gros. Eh, c'est en fonction de la lune, hein. Oui, voilà. En fait, pescaval, c'est quelque chose qui pêche qu'à la peau de la lune. Ah. Faut les noirs partout. Et ensuite, là, les pêcheurs, ils viennent, ils mettent un gros lumière dans notre bateau. Les pescaval, ils montent. Et quand ils montent, là, hein, là, ils trappent avec des hameçons dans lequel la pointe zappa, hein. Une petite laine qui brille. Ah, ben quand ils pêchent, la journée, quand on attrape un plus grand filet. Ah, la journée, c'est avec le filet. Oui. Mais le soir, c'est avec les hameçons. On met 4, 5, 10, ils trappent 10 à un coup. Hein. Ah, d'accord. Oui, parce qu'ils marchent en bon lit. Et donc, ils trappent beaucoup ça. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il n'est pas très cher. Ah, hein? Voilà. Voilà. Hein? Oui, quand il n'est pas très cher, quand on a un bon pain, mais si la pointe trop, là, c'est 5 euros. Oui, mais là, la saison, là, on trouve pêche cavale un petit peu partout dans le bon chemin. Là, hein. Ah, ben, entre 7 et 10 euros maximum. Ah, ben, mais déjà, si Banache, il trouve 10 euros, là, achetez pas, elle est trop chère. Hein.
Ouais. Ah, moi, c'est 5 euros, mais je t'ai mis 2 euros. Parce que des fois, il arrive 5 euros. Oui, voilà. Voilà, voilà. Les 3 bons. Kilos pour 10 euros aussi arrivent. 3 kilos pour 10 euros aussi arrivent. Oui. Ça paraît les chissas qui arrivent en fin de saison, là. Les moins chers. Il a le prix. Il a le prix. Mais là, ça vous nettoie avec poisson. Hein. Okay, parce qu'ici, bon. Tout le temps, à chaque fois qu'il a un petit affaire comme ça, ben là, il met au-dessus. Il y a du souci. Dommage pour le crabe, mais t'es pas là. Il aurait pu nettoyer. Ah, ouais. À mon intérieur, le crabe. Et Nena et Moun a dit comme ça, enfin, plusieurs ont dit comme ça, que mal j'achète la coque parce que la coque est meilleure. Mais là pour rien manger là-dedans. Mathieu, la prochaine fois. Hein, elle ne fait plus la coque sortie. Le dos de crabe là. Hein. Ben oui, ça les bons, là, ok. La coque, là, c'est hein. Bon, je vois ça. Les bons. Mais Mila, ça vous nettoie tout à l'heure. D'accord, hein. Les bons. Et après, c'est Patrick qui ça fait là. Hein. Oui, c'est vrai. Un petit sens, comment il y a dit oui. Massalé, m'y pense. Massalé. Les bons alors, ok. Le tomate. Oui, parce que le tomate, ça fait une semaine, il est dans le frigidaire. Non, mais m'a lâché depuis une semaine, m'a mis dans le frigidaire. C'est pour ça qu'il est un petit peu mou. Bah, tomate, il gâte un petit peu ça. Mais nous, ça n'a pas jeté. Hein? Nous jette pas. Hein? Il est encore bon, non? Là, valide bien, il est bon. Hein? Ben voilà. Hein? Comment est-ce que ça, coronavirus, le tomate l'a gagné? Ah, mais dis peut-être. Pas. Mais coronavirus, ça attrape toutes les affaires. Hein? Et à l'entrée, là-bas, Nénard, du gel hydroalcoolique. Là, ben, là valide avec, souvent. Ça marche pas bien. Mais ici, vous connaissez, là, il prend le gel hydroalcoolique, lave la main avec, hein, oui. Mais il lave la figuière aussi avec. Ah, ben pas moi. Non, mais parce que la peine moune arrive ici, il fait bisous. Mais il a dit comme ça maintenant, hein, quand il fait bisous, là, il lave le figuier aussi avec le gel hydroalcoolique. Ah, bon, non, jamais. Non? Ah bon alors? Ah et puis bon. Bisous. Ah bon? Julie, Félix? Ah ben non. Pas de bisous. Plus de bisous, plus d'accolades, plus de rien. Mais comment il fait? Pour respecter. Ben écoute, déjà à la base, on devait porter un masque. Et bien sûr, se laver les mains. Voilà. Avant hein. Et après, Julie. Tout usage, toute chose. Julie, fais plus de masque. Pas trop près. Il faut un peu plus loin. Oui, oui. Attention. Distanciation. Ben justement. T'as l'air là où l'a fait moins. Ben il a lave ce figuier avec du gel hydroalcoolique. Non, Calix, mais vraiment, il faut que nous fassions attention pour respecter quand même. Nous respectons. Mais respect pourquoi? Ben pourquoi? Parce que là, on a des clusters, parce qu'on a des cas à la Réunion. Et malgré tout, faut faire attention. Ah, aussi cluster. Les clusters? Ben oui, pour sauver les clusters. Mais tu n'arrêtes pas l'anglais, la Réunion. Non, pas, on ne pas. On ça des zones de COVID-19, des zones où les gens ben, sont mais tous nos vieux de la Réunion, on ne comprend pas. Ben justement, c'est pour ça nous dit des zones rouges, des zones où ça... Non, peut-être moi, je suis pas un Mauricien, mais des je parle deux langues. Où les gens sont touchés, tout simplement. Anglais. Et créole, vous ne savez pas le quoi, 4-5 aussi. Oui, mais c'est bon, la Réunion n'est pas bête non plus, nous connaissons quoi un cluster. Voilà. Non, mais Réunion est intelligente. Ou le papa, il connaît. Ben, c'est toi aussi. Mais mon grand-père, il ne connaît pas. Ah, grand-père, il ne connaît pas. Non, non. Ben, jamais voilà. Connu. D'accord. Ben. Mais ben, maintenant, il connaît. Non, mais il faut que ça explique à lui. Cluster, je viens d'expliquer. Là. Non, mais il faut que ça explique à lui. Et quand même, qui explique à lui, il ne comprend pas. C'est vrai? Ben, oui. Il n'y a pas cause créole ici, non? Il y a cause français, quoi. Hein? Cause créole ou français? Ben, cluster. Pourquoi un cluster? Ben, quoi? Ben, comment on veut dire alors? Un foyer d'infection. Un foyer d'infection. Tout simplement. Foyer. C'est bon. Il faut que tu causes anglais maintenant ici. Mais cluster. Elle a dit que ce coronavirus, il est sérieux. Il faut que tout le monde, il prend conscience. Donc, si tout le monde, il faut prendre confiance que tout le monde. Donc, il ne faut pas un même langage. Aller parler d'un mot anglais que personne ne comprend pas. Depuis des mois, on parle de cluster. Ne pas métropole ici. Les Goyaves de France, c'est plus gros. Pourquoi faire ça dans France? Mais François, cluster, nous, là, en France, alors, donc, c'est que la partie qui intéresse aux autres que les Françaises. Et après, non. Le français, la France, est ici. Vous êtes obligé de payer à nous. Vous êtes obligé de payer à nous. Vous êtes raciste ici. C'est une location que vous faites à notre pays. Oui. C'est comme ça, mais voilà les affaires à moi. Ben moi, en tout cas, il pense que nous ne peut pas parler français, ne peut pas écrire, ne comprend. Non, mais il pense que tous les jours, il parle de cluster. Oui. Et tout le monde est en train de demander à moi que ça veut dire cluster. Ben, on est obligé à chaque fois à l'expliquer. Ben français vient de dire. Donc c'est une zone de cluster là. C'est juste pour foutre la trouille au monde. Voilà. Pour donner de monde la trouille. C'est tout. Parce que du cluster, c'est une affaire grave. Affaire grave. Mais alors que si c'est un foyer d'infection, mais la grippe n'en a plein comme ça. Oui, quand une famille n'a la grippe, toute n'en a. Non, mais ça, moi personnellement, il fait partie des gens. Qu'elle est en train de faner la peur, puisque le Covid. C'est un fait. C'est pas un fait du tout. La question, c'est pas faner la peur, c'est attirer l'attention des gens. Il faut prendre des précautions. Tout à fait. Moi, voilà. Mais bon, dis pas le parle cluster. Après, des mots plus simples. Parce que tout le monde a besoin de comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas et qui posent des questions tous les jours. Bah alors, d'ailleurs, donc, ce sont des zones où les gens sont touchés. Voilà. Exactement. Voilà. Un foyer d'infection. Un foyer d'infection. En fait, cluster, c'est un mot qui était utilisé avant en informatique
c'est un endroit où ça vous met plein d'ordinateurs pour faire un travail en commun. C'est ça un cluster. Voilà. N'a rien à voir avec les mettre deux mondes malades ensemble ou deux mondes malades ensemble. Un smartphone, c'est anglais. Ouais. Hein? Mais le créole, là, même si le smartphone, il sort la réunion, là, il va dire, t'es, passez avec mon petit téléphone, va. Mon GSM. Mon GSM, voilà. Comment il dit. Il n'y a pas un smartphone. Même s'il ne connaît pas GSM, voilà. Il dit quoi. Donc, il faut nous habituer à nous à des termes, smartphone, cluster. Moi, j'essaie de comprendre, hein. Mm-hmm. Je comprends. Mais après, il y a des gens un peu plus âgés que moi. Ah, mais là, nous prenons le temps d'expliquer. Voilà, manana, 80 années, il ne connaît pas cluster. Connaît... À moi, 109 ans, cluster, mais il comprend, moi. Un foyer. Le foyer est là, hein, le foyer là. Ça arrive au toit où barrière arrive à qui sont. Depuis le mois de mars, hein, le 17 mars, mais quand elle était confirmée la réunion, le 19 ou 17, je ne sais plus. Depuis ce jour-là, on en a 750. Car la réunion, d'accord, importé, autonome, tout ça. 80 importés, 20 à la réunion. Mais il y a une affaire, mais il comprend pas. Poisson, hein. Mais ça, il comprend. Mais depuis le 17 mars, là, hein, jusqu'aujourd'hui, là, mais tout ça n'était pas guéri, ça, alors. Il reste tout le temps pareil, alors. Non, d'autres contaminés à la débarque, la réunion. Oh, là, yeah. C'est un roulement des gens qui... Ah, c'était, mais il n'a pas tiré. Non, il n'est pas bon. Ça fait, ce qui veut dire que depuis base, les gens qui ont eu le Covid-19, là, jamais été guéri. Voilà. Ah non, non, la télé, elle nous voit, moi. Quand tu parles à la télé, quand il passe à la télé, là, on en a 617 cas. On a 750. Ouais. Julie, c'est le problème des chiffres. Tout à fait. C'est un comptage. Un comptage qui dure. C'est même un comptage idiot. Ah ouais. Parce que, on me dit c'est un comptage qui dure. Non, c'est un comptage idiot. C'est un comptage idiot. À chaque fois, il y en a un nouveau, il rajoute, c'est tout. Ouais. Ben, oui, mais comme ça, nous va les. Plus on va faire des tests, là, plus on va trouver de monde. Puisque de toute façon, là, vous connaissez, avant que la fête tous des ordres, là, nous avons une relation privilégiée avec la Chine. Un bon peu de monde ici, les Chinois, notre famille en Chine. Donc c'est tout le temps on a des échanges. Et nous, un des premiers à avoir attrapé le Covid, c'est bien nous. Sauf que ce qui n'intéresse pas Banna, parce que le comptage, Van Couillon, la réunion, c'est pas trop grave. Tu comptes pas. Et là aujourd'hui, je suis en train de faire un comptage pour mettre la peur dans la tête de monde. Ne pas ni plus malade ni moins malade qu'avant, hein. N'est pas vrai ça, au garde voir s'il y en a plus de morts, non? Non, là, pas du tout. N'a point. Les deux, juste... c'était des cas importés, non? C'est bon, et plus de monde est mort, vous connaissez, de monde les morts de la dengue n'a plus que ça. Il n'a pas fait tout un tralala avec. La dengue est plus dangereuse à la Réunion que le Covid pour l'instant. Et quand nous a dit ça, Maurice, la coupe à nous, là où la papier, attention, Badea, coupe à nous encore? La France coupe à nous, vous êtes coupe à zot. La dernière fois qu'on nous a dit ça, imagine, elle a coupé à nous là-bas, Maurice. Mais oui, non, mais je peux couper, mais bon, du coup, ben, nous gagne pas raconter que à Maurice, il y en a comme pétrole. Ouais. C'est bon, ben, c'est triste, hein. Ouais. C'est très triste, mais bon, on ne peut rien, on ne peut même pas aider d'azote. Ouais. Ben. Et nous ne pouvons pas en parler parce qu'il risque de gros coup à nous. Non, il y a plus coupe deux fois, non? Il coupe deux fois. T'as fini coupé. Mais bon. Qu'est-ce que tu fais, Simone? J'écrase les lèvres. Tu fais du sport? Ouais, je fais du sport là. Tu fais du sport? Ouais, hein? Je vais maigrir demain matin. Il faut que tu viennes passer à la boue pour faire du sport. Hein? Oui. Voilà, montre-moi pourquoi tu fais du sport là. Ah, et vin rude. Et tu sais pas ce que c'est un vin, et vin rude. Et vin rude, c'est mon moteur de bateau. Ah bon? Oui, c'est mon quand je vais pêcher là, mon moteur s'appelle et vin rude. C'est moi qui vais tirer. Et moi, je tire comme ça dessus pour faire démarrer le moteur. Voilà. Et là, tu tires, ça démarre pas. Ça fatigue. Oui. Haché, piti. Oui. Gingembre. Oui. Oignon. Oui. Un feuillet, s'il vous plaît. Hein. Hein? Bon, un feuillet, respect. Comme un feuillet sec. Nous respectons les normes. Oui. Et là, regarde, Marlboro, il travaille droite.
mon bon appelle un mètre de distance. De où? Ok. Je respecte. Malboro. Tu as raison. Dis-moi, Malboro, à te plaisanter, non. Cassé cuit. Malboro. Tu es feuille là, tu es feuille rose. Malboro. Au moins, on veut jamais dire arrête en merde, les gars, tu es feuille. Donc, comme là, non, on a ces migachiwa. Les bons. Christian, qu'est-ce qu'on fait là? Malo. Ah oui, Yash tomate. Yash toujours. Richard a rien ce soir. Je regarde seulement. Je regarde. C'est lui, il est à la technique. À la technique. Il a la technique. Pour faire voir, il a la technique. Ouais. Mais j'en comment? Le coronavirus. Oh non, pas le coronavirus. Il cause pas bon. Mais ça y rentre créole, le pareil mort sur Michel Almette. Cyclone passé là-bas, cyclone génie là-bas, c'est la rentre créole, le service. Ça ne l'a pas perdu. Il l'a battu, réclame la perte. Moi, il dit coronavirus là-bas, c'est la rentre créole, le service. L'allocation familiale, la gagne 100 euros en plus. Parce que jusqu'à l'allocation familiale, la gagne la maladie. Et comment je t'explique ça? Comment je t'explique ça? Pas bon. Non, moi, je me disais, c'est comprendre. Et moi, je me disais, une affaire. Et parle pas de la cage familiale, parce que la réunion, on a beaucoup de monde, on a fait enfants. J'ai besoin de l'aide. On a des familles, pas de travail par rapport à ça. Là, sont... Non, sérieux, ça. C'est pas facile. Après, bon restaurateur, bon, les gens avaient un emploi, la pas de travail, ils avaient de l'aide de la région au département. Je te parais que j'étais endettement. C'est ça le gros problème. Julie, il faut prendre ça au deuxième degré. De quoi? Cette expression-là. Comprends? De Malboro. Au deuxième degré. Bien sûr, mais de toute façon. Et Malboro, quand Michel Almette la chante, ça, où dans ça le il est? Où ça il est? La quel rapport Nena, l'entrée scolaire et le coronavirus? La rentrée scolaire? Oui. Elle a été augmentée. Non, mais qui augmente 100 euros. C'est pas Malboro, les encolés à tout ça. Mivet essaie juste de comprendre pourquoi les 100 euros à cause du coronavirus. Pour acheter masque. Mais non, mais les gens n'ont pas travaillé. Pour acheter masque. Pour faire tout en équipe, là, acheter une machine pour faire masque. Les travailleurs, oui, là, niveau géant, je dis. Pour les travailleurs. Bon, ça, ne cuisine pas beaucoup là, ce soir. Là. Ce soir, nous sommes dans une émission de psychologie de comptoir. Voilà, psychologie de comptoir. Ou de psychiatrie de comptoir, même peut-être. Patrick! Les beaux, le film, tu m'as mis au feu là, hein? Là, qu'est-ce que ça fait où là? Ça baise le massalé pescaval. Là où ça baise le massalé pescaval, là? Parce que Charline te nettoie tout là-bas. C'est Charline qui t'a appelé tout le nettoyage, ça va? Les épices finies, pareil. Ah, nous, vite, moi, vite. Toutes les épices finies, là, non? Et qu'est-ce que ça met comme épices, là? Un petit peu cilantro, un petit peu l'ail, piment, gabimenté, ça va. Ouais. Et après, massalé, mamie Charlotte. Ouais. Voilà, massalé, mamie Charlotte. Les bons, alors, ok. Là où je suis en là, non, c'est pas pour. Où ça? Ça c'est pour le poisson. Pour le poisson, ça alors? Hein, d'accord. Allez. Il va faire quoi? Nous, c'est fait un steak de zèf. Ah, ben là, je l'ai fait, t'es bon. Ah, t'es bon, là? Ah ouais. Moi, mon cousin qui sort de tampon là-bas. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on met dans le steak des œufs là? Ben, ça, c'est produit là. Produit comme d'habitude. Les oignons. Là, c'est quoi ça? Piment avec l'ail. Piment. L'ail, gingembre. Et là-bas. C'est tout au midi. Tout au midi. Et puis un petit peu de piment. Ça, là, parce que ce soir, comme mes cocos par là, non, pour finir de mettre un petit peu de piment. Ah bon, si on ne met pas de piment. Vous l'avez vu ça? Mettez un petit pensée pour Coco. Les bien. Coco nous retire un petit peu, hein, mais là. Il mange pas piment. Hein, ouais, mais là, ce soir, tout le monde mange piment. Ouais. Hein, tout le monde pense que vous êtes bien mangé. Bon. Simone, tu manges piment, toi? Ah oui. Comment tu manges piment, toi? Moi, un bocal et une semaine. Et un bocal une semaine? Un bocal une semaine. Eh ben, regarde ça! Mais comment tu fais pour un bocal une semaine? Ah oui, c'est à fond. À fond. Entrée gratuite. Entrée gratuite. Sortie. Ah où? Oui. Un bocal une semaine? Alors oui, Calix veut dire aussi un petit mot très important. Oui. À mon sens, alors Calix, dis-moi. Le problème, c'est ce qu'il faut savoir. Dans le confinement, il y a eu des dépenses. Et par rapport à ce problème-là, au niveau des basses,
J'ai les droits alcooliques, les masques. Moi, je sais que des parents qui sont allés chercher des masques, ils ont payé et le matin, le midi et le soir, ils faisaient un budget. Aujourd'hui, s'il y a une allocation pour ces enfants-là, on est content. C'est régularisé au niveau finance pour cette famille. D'accord. Les 100 euros, c'est pas trop pour la famille. Bien sûr. Après, c'est vert comme ça là. Ça piment, ça, avec l'ail et gingembre. L'ail, gingembre, hein? Ouais. Oignons, l'ail, gingembre, un petit peu ciron dedans? Un petit peu ciron. Comme ça, un petit massage. Un petit peu ciron. Comment ça au bret? Comment? Bret, tempousse. Ça, on va nous couper comme ça. Ouais. Et tu vois, il reste pas cuit là. Il pomme, mais il reste moelleux. Ah ouais, d'accord. Il reste moelleux, il a le goût, il est bien gaillard. Mais ça va un petit coup de toto. Pas plus que ça. Là, après, Malo, on a quoi ça on a à côté? Tomate, hein? Mais... Après, mettre ma salée. Safran d'abord, hein? Voilà. Ça, c'est pour le pêche-caval, ça, hein? Bonjour! À quand vous la faites des petits rayures sur ton corps comme ça? Ben, c'est l'habitude. C'est l'habitude, ouais, ça? Ouais, la sauce, les épices rentrent bien dedans. Les épices rentrent bien, donc on coupe un petit peu sur le dessus comme ça. Voilà. Ah ouais, d'accord. Hein? Et on ne l'a pas oublié d'enlever à l'arrière son petit zergot. Voilà, voilà. Hein? Son petit zergot, hein? Mais pas c'est un zergot. Hein? Voilà. Bien propre, quoi. Non? On la rajoute des tomates dedans entre temps. Et là, on rajoute ma salée, hein? Patrick, ma salée? Ouais. Hein? Non, t'en Simon, tu vois là comment on fait ma salée alors, hein? Ah oui, ah oui. Moi, c'est pour ça que je suis là, je vais regarder comment il est. Ah bon? Comme ça, quand si vous venez à Madagascar, je vais le faire ça pour vous aussi. Faire ma salée? Ouais. Hein? Ouais. Toto, juste après les tomates, le safran, la tomate, et ensuite ma salée, hein? Non, parce que Khalid, oui. L'a bien dit, il faut bande de monde, il écoute à nous, il comprend comment il fait la cuisine. Ah, il filme en même temps le cas. Voilà, oui, voilà. Oui. La micro, c'est cool, mais il filme en même temps. Oui, voilà. Voilà. Un petit remontant, comment? Un petit reproche? Non, c'est pas un reproche. Attends, il y a refilme encore quand il y a remettre le bande de pêche cavale dedans, parce qu'il va dire, moi, comme ça, la cause est cool, il n'a pas vu dedans. Là, il voit bien. Là, il est bon. Ça, c'est pas des gens, des moins Jean-Claude, du film. Mais après, quand il dit la façon de faire la cuisine, il filme toujours le bonhomme. Ouais. Il dit, filme le marmite, on va le voir. Ben là, si ça oui. Filme marmite pendant qu'on cause, mais on t'en pire où? Non, non. Ouais, parce que là, la caméra, elle est sur la marmite. Là, il faut qu'on se fasse comme moi. Le caloupilé, il arrive là. Caloupilé aussi? Hé, hey, Toto, c'est un homme d'affaires, donne ma salée ça. Et Toto, ne cause pas bon pédi, hein? Non, il ne cause pas. Il. Ben, il ferme son bouche quand il fait la cuisine. Ah bon? Parce qu'elle est plus hygiénique, hein? C'est vrai. Elle nous fait la cuisine, nous aurait dû mettre un masque. Hein? Tu mets un masque. Un petit peu de l'eau? Un petit peu de l'eau? Un petit peu, parce que normalement, dans le carré poisson, on ne met pas trop de l'eau. Mais là, on fait un sauce, là. Hein? La sauce. Julie, dans la sauce poisson, on met un petit peu de l'eau. Dans le carré poisson, on ne met pas de l'eau. Ben, il faut bien mettre un petit peu de sauce, ben un peu d'eau. Non, là, il fait une sauce, là. Hein? D'accord. Une sauce, hein? Mais regardez, Toto avec Patrick, c'est un couple. C'est un couple de bonhommes. Mais attends où? Bien la attends, cuisine. Madame est là. Mais non, un couple de... Pour faire la cuisine. Ah bon, d'accord, un couple... Ouais. Un binôme, dis un binôme. Un binôme. Eh, maintenant, numéro cocode. Hein. Pour faire Bernic. Les bons. Il vient là. D'accord, alors. Les bons, là, prochainement. Binôme. Après, on met ça après. Mais ça, c'est caloupilé. Caloupilé. Mets-toi. Malgache, mets caloupilé de carré. Allez, mets. Après, il faut la cuire un petit peu parce que sinon, là, ça va. Ça donne du goût. Ça, donne du goût. Ça, c'est caloupilé. Caloupilé, ça donne du goût. Les Mauriciens appellent ça carré poulet. On n'a jamais compris pourquoi.
Mais non, mais il s'appelle ça carré de poulet. Hein? Non, non, oui. À Madagascar, il y a caloupilé. Hein? Non, oui, ça, je ne sais pas. À Madagascar, à Diego, oui, à Diego, il y en a. Tamata, il y en a. Chilea, non, je ne connais pas. Et là, on se couille un petit peu la main, là, comme ça. Parce que ça, il ne peut plus rester là. Il est vite crasé. Hein? Là, il secoue, il est seulement là. Comment ça, vous craignez ça? On fait cuire. Ah, on désordre, non? Hein, lui, bien pas bon, là, non? Hein? Charlie, tu sais où ça va être caloupiné dedans? Ah, on met caloupiné dedans? Pas tout de suite. Toujours, il faut attendre un petit peu. Hein? Balancer. Regarde la sauce, là, comment elle est bon. Balance ça, là. Là, oui. Ah, là, il y a ce coup. Là, il fait plaisir, moi. Là, il fait plaisir, oui. Hein. Il y a bien dit. Ça, puis moi, là même. Ben, et vous devez aller bonner, on reçoit, non? Oui, Toto, il m'a fait pescabal massalé. Ah, ben, on dit que pescabal massalé, on reste la même. Mais reste la même. Ouais. Reste la même. Toto, demain, mon motif, c'est toi. Un petit coup de main Marlboro, hein? C'est bon, long. Je vais te dire, c'est un bon cuisinier. Ah, voilà. Solidarité des cuisiniers, les gars. Voilà. Donc, il prépare les bread. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait avec bread lastron là-haut? Une petite salade lastron. Salade lastron? Comme j'aurais dit vendredi, ouais. Une petite salade lastron. Ben oui, mais l'émission passe tous les jours de la semaine. Donc, tous les jours de la semaine, c'est vendredi alors. Ouais. Hein? Ouais. Donc, tout le monde va croire que tous les jours, c'est vendredi. Ouais. Hein? Et tout est permis? Tout est permis. Non, ben ouais. Là, nous reprend l'expression de les autres, nous là. Hein? Ouais. Ah, où? Rio et Vige? Hein? Ben oui. Mais t'as l'air, c'est où là, dit ça? Hein? Hein? C'est où là, dit ça, t'as là? Ah, ben oui. Vendredi, tout est permis, hein? Mais bon, hein? Des fois. Des fois? Elle dit des fois, pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Et là où Achalie, comment on fait un bread lastron, un bread de. Ben oui, normal, comme bread. Hein? Et là, on fait une petite salade avec ça. Oui. Hein? Salade. Salade bread lastron. Voilà. Le carré de poisson avec la cuillère, ben, elle tourne la marmite comme voilà, ça. Voilà, parce que l'interdit d'utiliser la cuillère comme c'est ça. C'est pas interdit, mais disons que c'est pour pas écraser le poisson, il vaut mieux tourner la marmite. Ouais. Voilà. Ouais. Non, comme bonne ça, marmite ça, cuisine, que va prendre la cuisine pour faire un bon carré de poisson. Oui. Au départ, la cuillère est autorisée. Après, il trappe la cuillère et jette parce que l'interdit voilà, la cuillère. Il faut tourner sa marmite pour que la sauce. Il faut secouer la secouer. Voilà, il imprègne bien le poisson. Secouer la marmite. Hein? Tout à fait. Voilà, voilà comme on le fait. Comme ça, on a un coup, comment on fait là? Qu'est-ce que Maloya? Ouais. Et voilà. Et voilà. Parce qu'avant, on a fait ça vite, ça. Hein? En 10 minutes. Et c'est un petit massal éclair, hein? Ouais. Un massal éclair. Un petit massal éclair. Vous connaissez un massal éclair ou? Tu m'as salé quoi? Mais à chaque fois, il pense à Massalé Claire, il pense à ma soeur. C'est vrai? Oui! Ah ben coucou à ta soeur alors. Il appelle Marie-Claire. Marie-Claire. Voilà. Coucou, Marie-Claire. Coucou Marie-Claire. Coucou. Bisous Marie-Claire. Voilà. Ah, fume-moi, on l'a éteint, les affaires. Mais elle est sophistiquée, les affaires, ce moment. Ah, ben écoute, il est sophistiqué vraiment. Hein. Voilà. En fait, c'est où l'éteint le petit. Comment, ah, ben voilà, François, veilleuse, la veilleuse. Hein. La veilleuse. Voilà. Donc, François rallume la veilleuse là. Ben voilà. Allume du feu. Voilà, la veilleuse est allumée. Hein. Bon, il faut laisser le veilleuse. Chauffe un petit peu. Voilà. Mais t'es chaud depuis ta live. Hein. Bon, là. Donc, la poupe, la galie. Hein. Mouro, vali. Et mamie, il faut le veilleuse bien, mais il y a d'ali. Oui, d'ali. Oui, pas besoin normalement. Hein. Non, mais il n'y a pas besoin. Mais elle est dangereuse quand il y a d'ali. Remarqué, si vous ne faites pas, il sent le gaz. Oui, parce qu'il prend un petit peu de temps. Hein, bon. Voilà. Hein. Voilà. Donc, Bernard, là, donc, on le met tout petit carré. Non, mais il est trop fort, ça. Est trop fort, un petit peu trop fort. Là. On peut baisser un petit peu. Hein. Voilà, voilà. On est bien là. Ah. Alors Bernard, dis-moi, qu'est-ce que ça fait là hein? Ça met de l'huile, fait des œufs, il dit en créole, hein, des œufs. Hein. Un œuf frit, on appelle ça un steak des œufs ou? En français, on appelle ça les œufs. Ah bon? En créole, on appelle ça des œufs. Ah bon? Non, les œufs. Des œufs alors? Les œufs. Les œufs sont cuits. De poule coque.
Parce que dernièrement, on a fait Zef Coq, nous, ici. Hein? Oui, on a fait les... Comment, testicules de coq. Hein? Les testicules de coq. Testicules, hé, d'indifférence avec Zef. Ah ben, ouais. Non, les testicules de l'homme salé étaient très bons. Ouais. Et la corée de coq, enfin, coq, corée, poule. Corée, poule, les mélanger, le foie... J'ai dit pour les coqs, ouais. Mais après testicules, rien. Coq, là, testicules. Ah bon, là, il y a que ça même, bah, t'es bon, hein? Ouais. Bonne coq comme nous, là, testicules. Bah. Et Toto, et... avec où l'a fait cuit le président du département? Oui, président du département, là. Un massalé des F-coq. Voilà, voilà. Eh voilà. Ben, dis donc, j'en ai fond. T'es bon, t'es bon. Bah. Testicules de coq. Voilà, testicules de coq. Oui, des F-coq. Voilà, voilà. Et où la mettre quoi de là, on met un petit peu de sel et après de l'huile, hein? Au moins, il colle pas. Au moins, il colle pas le fond? Non, pour qu'il y ait un petit peu de goût dans le... Ben, explique à moi. Steak des œufs, des œufs frites. Non, steak des œufs. Mais steak peut-être, hein, Calix, peut-être à où vous voir ça d'une autre manière. Mais ce qu'on mange, j'allais là. Le terme, non, le terme. Oui, le terme qu'on mange, j'allais là. Pour l'autre de manger, j'allais. Mais pareil, l'autre de manger, un steak porc. Oui. Après, des œufs poules, non, le mais porc. Pareil, comment un steak poule bien préparé. Il en a un goût excellent. Oui. Le goût a un goût là. Si vous voulez, mon, quand on mange, vous voyez si il y en a fait les bons et pas bons. Mais quand on mange un œuf frit, vous préparez bien, vous pensez à un steak. Ah, d'accord, d'accord. Là, on a un goût. Il a la forme d'un steak, mais il a le goût des œufs. Ben oui. Mais jamais connaître coq qui pond, moi. Coq qui pond? Ben, il m'entend des œufs coq. Mais dernièrement, c'est pas où l'a fait cuire le président du département un œuf coq ici? Non, mais œuf poule. C'était pas œuf coq, ça? Non, coq n'a les œufs. Ah, les œufs. Testicules. Voilà. Ah bon? Il calcule bien précis. Ah oui, testicules. Mais là, on ne peut pas, mais. Et coq, il fait œuf coq, là? Julie, tu fais quoi là? Et moi, je fais rien. Ah, tu mets des nappes rouges. Parce que ici, c'est une tradition chez Canal Austral. Oui, à chaque tout. Fois, quand on mange, c'est des nappes rouges. Ben oui, parce qu'il n'y a que ça aussi. Ça fait 12 ans qu'on a des nappes rouges. Mais il n'y a que ça aussi comme couleur. Mais non, mais il ne faut pas dire ça. Il faut dire que c'est une institution. C'est une institution. La nappe rouge, elle voilà. Est incontournable. La nappe rouge est à Canal Austral. C'est que la nappe à carreaux. Et au pique-nique, voilà, yes. Voilà, exactement. Voilà. Et même maintenant, depuis dernièrement, là, hein, regarde de loin là-bas, là, on a des nappes à petits pois. Voilà. Voilà, mais nous, on a la jolie petite nappe rouge. Voilà, ça fait 12 ans qu'on a les mêmes nappes. Bah ouais, mais après, il faut changer un peu de couleur. Hein. Non, le rouge, c'est bien. Un petit rose. Le rouge, c'est bien. Mais le rose aussi, j'aime bien. Voilà, ça fait ma maille. C'est pas grave. Il y a le rose fantasy là-bas. Comme rose le rose fantasy. Ouais. Rose fantasy. Pas mal. Mais bon, alors, ok. Rien à voir. Hein? Non, mais il va monter en haut comment bien décorer, comment bien agencer. Ouais, le jour où je change la couleur de mon nappe là, hein? Il faut faire comme une locomotive ou pas 6 mois avant. Non, mais il va monter en haut comment bien décorer, les comment bon, bien agencer. Okay, alors. D'accord? C'est bon. Ok. Okay. C'est bon. Un petit coucou à Titi. Ouais, un petit coucou à Titi, à David, à et Mathis, toutes les gars à côté. Alors. Voilà. Et Jal Segué aussi. Ouais, Jal Segué. Pareil bonbon, hein. Mais comment on fait pour réussir des œufs comme ça? On a un secret ou quoi? Non, mais ça c'est le Mahamit, là. Bah, le Mahamit alors? C'est le secret, le poilon. Et puis j'ai déjà comme ça que les œufs là, la levure dedans, avec mes gaufres. Ah, mais oui, c'est le secret. C'est le secret. Voilà, pour réussir le. C'est quoi le carré? Le steak. Le steak de œufs. Eh, mais c'est vrai, il ressemble vraiment à des œufs volumineux. Des jolis, André, un bonbon banane, comme on t'a dit. Hein? Bonne volaille, là. Hormones? Ah, ben peut-être ma fille, écoute. C'est joli, hein? Ah bon, tout ça fait là. Ok, mais là, nous sommes à rougir un petit peu mon crevette, mon manœuvre est parée.
Une manœuvre de travail avec un mec dans la poche, lui. Ça c'est. Quand on a le travail, on fait le monde travailler comme ça. Hein. Avec un mec dans la poche, hein. Ben. Non, mais il y a vite ton il meurt. Il est là, qu'on sont toi, nous là. Il sort le terre. Il sort le terre, là. On va y aller, Gali. Ah. Là, on peut mettre rien dedans, là. Ah non, là, il ne met pas rien. Là, il me fait ni rougir. Allô, rougilo. Nous dois aller un petit peu la couleur. Alors, quand il rougit bien, il rosit. Ben après, nous habitude de rougir. Ouais. Mais c'est rose. C'est rose. Non, mais quand à l'Australie, nous on a employé le terme réunionnais, le plus adéquat à notre culture. Ouais. Nous va dire rougir. Ah bon? Rougir. Oui, la fille fait des débats là-dessus, hein? Oui, vous la faites à l'école française ou? Je suis pas parti à l'école, moi. On pas fait l'école dans le monde. Moi, l'a fait 4 fois un CP, les gars. Moi, pas honte, je les entends. Moi, l'a fait 4 fois un CP. Parce que moi, je suis à l'école juste pour bien manger. Moi, je vais pas à l'école quand tu dis. Vous avez la cantine? Oui, la cantine. Ouais. Mais viens, tu gagnes un petit bol de lait chocolat. Et quand tu es à l'école, il dit les enfants, aujourd'hui, on va faire la dictée. Prenez votre cahier rouge. Le Marlboro, il avait un pied ni. Un sort, un moitié boyau dehors, ou au moins. Mais quand tu dis le cahier rouge, le cahier vert, le cahier jaune, moi, je ne sais pas, moi. La maîtresse dit à moi, Enguerrand, je te mets au fond de la classe, on connaît ta situation, t'en mets à personne. Et quand il arrive midi, mon ventre plein, mon sac clôture, la mort rentre dans le sommeil. Et pourquoi on cause Mauricien ou là hein? Pourquoi cause avec moi pour les causes Mauricien. Non, mais il a une petite pensée émue pour Banna en train de nettoyer la plage. Voilà, ou bien Banna, il garde Pianou, il voit Pianou, c'est quoi ça? Donc, on a une petite pensée émue pour Banna parce qu'il gagne Pianou. Non, mais même, on part chez Maurice, mois de février. Mais l'incroyable comment de monde connaît à moi là-bas. Ben oui. Ah oui, Zartis, c'est nous à moi. Je moi bientôt, il vient à la Réunion. Tu veux voir Jean-Claude Guindin. Mais moi, déjà, tu connais là Jean-Claude Guindin. Il est comme un cas après la porte. Tu arrives, tu appelles. Appelle à lui, il y a ton azote. Mais bon, oh, voilà. Voilà. Mais oublie pas ça, oublie pas ça. Non, mais moi, l'appelle à moi. Mais appelle à moi, il y a ton azote. Mais bon, heureusement, tu es dans le bon moment parce qu'actuellement, là, sous ça là-bas, là, plus personne ne connaît où. Eh non, je m'en vais de Marino. Non, c'est pas ça. C'est le canal Australie là-bas. Oui, mais les dommages plus autres, mais c'est autres, ils perdent. Ouais. Vous comprenez? Ah, la mode d'accord. Voilà, parce que là, nous l'avons fait un Jean-Claude Guédin, là. Il a fait une affaire, mais il donne de monde. Mais maintenant, le monde, il dit, il veut pas. Jean-Claude, nous ça pas flatter ça. Ah, mais il faut dire que c'est pas voilà. La population mauricienne qui veut. Non, pas, mais hein. Nous, il ne faut pas nous exclure les Mauriciens quand il y a le canal Austral. C'est vrai, hein. Parce qu'il faut avoir les Mauriciens, les autres musiques, les jolis, les gaillards, ce qu'ils ont fait, les festifs, les pétards, les gaillards, miens, mi-chants. Grand festin fait dérouler, bon là, mais tout le monde finit entouré. Autour une grande fée. Les tidions comment battre son ravane, tous les cœurs pessirés. Aux larmes coulées dans les yeux. Vous comprenez? Ou sinon, on est dans l'autre. Titon dit à son maman Salanella, lui fin décidé pour lui mailler. Avec Dolores, comprends-tu encore un teint ouais. Ça, c'est une référence pour moi, bonne Mauricien. La musique est jolie. Là, Désiré François, elle a fait son album, ma tante. T'es, mais quand il écoute ça, il dit, t'es, mais elle est jolie, vous comprends? Non, attention, Marlboro, il y a dedans. T'es, moi, je chante, c'est de la Mauricien des années, les gars, vous comprends? Mais après, on dit, Marlboro, elle a gagné une petite sortie. Est artiste, qui s'en la faute. Jean-Claude Guindin. Marlboro est devenu artiste que lui est aujourd'hui. Ah, oui. Ouais, enfin, alors, raconte-nous un petit peu pendant où t'es petit camaron ou crevette qui cuit non, là. Non, mais Jean-Claude. Et là, l'album, il sort bientôt. Oui. Marlboro, mais c'est une bonne faute. C'est une bonne faute. C'est une bonne faute. C'est ma grande faute. Être canal austral, c'est notre faute. On est venu, mais nous l'a goûté, nous l'a aimé. Mais nous reviens à la case, papa, maman, non hein? Voilà, Canal Austral, et gros big up, encore Jean-Claude Guindin. Merci, mon pote, mon frérot. D'ailleurs, il embrasse, allez, moi, encore quoi, mais... Non, il a dit, coronavirus, il embrasse plus. Ah, Jean-Claude Guindin. Barrière, sécurité. Ben, dans l'autre côté, là-bas, on a barrière corail, nous, on a barrière sociale ici. Oui, mais seulement la nuit, dans une boîte de nuit, elle le décide. Parce que c'est ça, midi, on est dans une incompréhension de cette maladie. Moi, là, arrive dans le restaurant. Monsieur, vous avez votre masque, mais dit madame, mais comment ça fait vous manger? Là, dit du moment, on est assise ou petit de masque. Donc, tant que mal est debout, la maladie, c'est quoi, comment? Et comme on est assise, la maladie dit non, Marlboro est assise, ça va pas lui. Vous comprenez? C'est ça, c'est pas que moi les cons,
c'est que nous avons des incompréhensions, des règles, des normes que j'attimais, que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être moi les couillons, mais je ne cache pas personne. Mais voilà, j'aimerais bien un grand lapreneur. On voit un lapreneur, il vient expliquer comment tout ça. Parce que si nous regardons le coronavirus, il a été fabriqué par un gros monsieur intelligent. On comprend? Mais quand un homme intelligent, il tue la population. C'est un mix, ça, non? Voilà. Pour moi, c'est pas un intelligent. C'est un imbécile avec un grand L à la fin. Voilà. Big up la Réunion, c'est mon petit cosmo, hein? Personnel. Allez, fais ton carré. Allez, fais ton carré. Fais ton carré. Et là, il n'a pas rien, donc. Hein? Non, là, on fait revenir Ali sur le monde comme ça. On enlève son lot. Hein? Exactement. Voilà. Là, et ah oui, il a bien fait de boire, ouais. Oui, Miam. Et puis là, là il ne faut pas chauffer trop. Hein? Pas brûler. D'accord. Et moi, de manière, il reste bien rose. Et après, nous mettons nos épices, nous tournons régulièrement. Ça va voir. Les bons, là, ok. Quand on commence, on va mettre un petit peu de sel. C'est normal. Et le sel, il fait gonfler comme un bonbon banane. Non, c'est hein? Petit... Il n'est pas rien bonbon ça, banane. Non, oui. Hein, vous l'avez vu, hein? Hein? Eh, où t'en manges un morceau bonbon banane, ou là? Salut, je suis prêt. Ne fais pas. C'est un beignet basil. Beignet aubergine. Mais rosam de zeste. Ah bon? Il ressemble. Steak de zeste. Eh, là, pourquoi on met steak là? Le banza, c'est une frite qui est là. Et qui fait frite sans mal. Pas joli, hein, joli. Hein, oui. Joli, hein. Oui. Ouais. Là, non, mais à où là? Au moins, t'as moyen de faire. D'accord. Hein? Là, on fait revenir les oignons. Après, ça va mettre toutes les épices. T'as là où là, t'as moins dedans. Ouais. On a même tomate avec alors. Et mais, Edwige, un carré des œufs. Bah oui, une espèce. Edwige, un carré des œufs avec des œufs frites. Donc on vous fait une sauce, là c'est une sauce pour faire carré poisson. Voilà. Et ça c'est gros piment. Oui. Voilà, ici la fin. À la machine manuelle. Bon. Hein? Bon. C'est bon. Avec un petit peu. Siave dedans, hein. Là, non, que siave. Et là, ça va mettre un peu de sauce d'huile aussi. Nous en mettons un petit peu de sauce d'huile. Et après, nous l'avons avec les épices, nous mettons l'huile de sésame. D'accord, bon. Allez, bon. Ok, là, moi... Bon, là, nous mettons un petit peu de sauce d'huile. Mais hein? Pareil, hein, après du sauce d'huile, hey, là, nous allons mettre un monimètre. Mais ouais, donc on y mettait, mais ça, ils mettent pas bon pé, ça. Hein. Mais pas bon pé. Ils mettent pas bon pé. Il faut pas exagérer, sinon. Ouais. Mais lave les oignons. Bon. Dans les oignons, on a gros oignons. Gros oignons. On a les champignons à l'intérieur et gros tout. Gros oignons, ils mettent à présent. Ah. Là, ils mettent à les oignons. Après, le petit gingembre. Ah, on a fait des petits gingembre oui. Aussi. Alors, on a fait un gros plan sur le petit gingembre. Voilà. Petit gingembre, après, nous et après, les champignons. Les champignons. Et là, tout de suite, je ouais. Mets tout le nez au-dessus de l'omami. Tu sais sans comment sentir le DR produit pays. Produit pays? Produit pays chinois. Ah, heureusement, il a dit, hein. Il a corrigé produit pays chinois. Mais c'est son pays, Ali, ça. Ah, son pays, voilà. Oui. Comment Thaïlandais, Thaïlandais. C'est bon. Donc on rajoute toutes bonnes œufs frites dedans, ouais. Qu'on appelle ça les steaks de œufs. Voilà. Hein? Pas mauvais son travail. Hein? Hey, c'est maman qui travaille sinon. Elle travaille sinon? Ah bon, donc il n'est pas mauvais son travail? Connais son travail. Connais son travail. C'est pour ça le meilleur président sinon, il est maï. Un petit coucou président sinon là? C'est hey, Maurice, nous sommes là, nous attendons à où là? Et, bon, et là, qu'on rajoute? Un petit peu la fella. Là, ça met le gros piment. Là, ça met le gros piment? Dedans, hein. Voilà, un gros piment dedans. Hein. On envoie une huile de sésame. On envoie une huile de sésame, hein, par ici. Hein. Voilà. Un petit peu d'huile de sésame, lui aussi, pas beaucoup, hein. Sinon, si le goût trop fort, il. Elle est bon. Hein. Alors, vous avez vu, le goût, elle est comme la musique, ça. On a des sons, mais il y en a un les devant et il y en a le tir et pas derrière. Ah bon? Il faut nous trouver son petit goût en arrière, mais pas en avant. Elle est bon, ok. Voilà. Allez.
Une question d'équilibre. Et une question comme du Francis. Équilibre ? Une question d'équilibre. Attends, le goût, la musique, tout est pareil. Pareil, les images, tout. Un bon carré, comme un bon musée. Exactement. Là. Si la croûte t'envoie dedans, ben c'est pas bon. Alors. Allez, tu peux croire où tout ça gros vêtement là prend la gâtipé de là à l'extérieur. Hein? Ça. Ils rentrent pas du tout cette affaire là. Ils rentrent pas ça. La manière elle est pour toi ça là. Pour mettre les maigris. Allez, si maigris ensemble. Quand allez, si maigris, ben. Hein? Depuis qu'il y a l'espouce sur le cheveu, il maigrit. Ben, la barbe, la barbe. Mazamé hein? Vient avec la barbe, la barbe là. La barbe. La blague à la hauteur, ça. Tiens, bon, mais de toute façon, la sauce, c'était un peu comme une sauce poisson, hein? Bah oui, c'est vrai. Bon, là, comme vous voyez, là, il y a de son vénère, hein? Tout l'eau s'est crémé, là. Ouais. Maintenant, nous mettons le bread, il va cuire environ, en gros, 5 minutes. Pas plus que ça? Pas plus que ça, toujours. On m'appelle bread, là-haut? Hein? Bread tampous. Bread tampous. François, on connaît bread tampous ou? C'est le petit bread. Le petit bread. Bread chinois. Petit bread chinois. Hein? Voilà. Là, on met un petit peu par un petit peu, ou toi, Daniel, un petit peu. Mais bread là aussi, il paraît le crevette, hein? Ah, allez-y. Là, les gros bords, quand on a fini, là, il reste ça dedans. Hein? Bah oui. Ouais. Comme dirait l'autre, il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Donc, c'est un petit sauté aux crevettes. Ouais, un petit sauté aux crevettes à la chinoise. Voilà. Un petit manger presque sain. Voilà. Presque parce que nous avons un petit peu cher, produit que nous voilà. Voilà, hein. On n'aura pas trop au bras dedans, nous mettons tout. Mettre tout, ça y rentre pas. Voilà. Ça lui paraît dans ton longtemps quand tu fais la famille créole de misère. Tu baises sans sardine et qu'un boîte sardine. Le dernier petit maman, il baise un masque, tu bailles pour essayer de l'argent de maman, il dit trapou de sardine, nous-mêmes. Hein. Il plonge pour être rapé. Oui, voilà. Mais la réunion créole, c'est misère, la créole, c'est vrai. Mmh, quand nous gardons grand-mère, ça fait autour de l'opé, ça fait cool café. Où arrive, où maman, il n'a pas de terre. La rime dans le nez. La rime dans le nez. Dernier, c'est gros oignons. Gros oignons. Parce que les oignons, ils dégagent un joli parfum aussi. Ouais. Mais les oignons verts, logiquement, ils ne sont pas trop bons, trop cuits. Ouais. On voit, nous, là, Galil, là, nous connaissons dans 2-3 petits minutes. Manger pareil, manger beaucoup près. Ok. Mais on mange beaucoup, mais on ne maigrit pas du tout. Hein. Non, ou bien grossit pas, pardon. Mais ça, bâtard chinois, comment ça? Bâtard chinois comme ça. Bâtard chinois, les moments. Ben, tout mon frère, tout mon papa, les morts, 60 et quelques années, il était comme ça. Ah bon? Ben, ça, c'est la qualité, la race. La qualité. La race. Ah bon, alors, ok. Et puis, pour dire, mais non, pas. Manger trop, manger sans dehors, bonne manger Babylone là aussi. Mange pas. Non, à moi, il mange mon petit riz, mon petit grain, mon petit rougail de tomate, des sels, et il mange pas l'huile. Comment il rougit mon viande là, l'huile, au feu. Et après, il rougit ma viande. Parce que l'huile n'est pas bon, elle donne tout ce qui est choléra, elle donne le cholestérol, elle donne l'inflammation, l'estomac. Et après, il dit, ah, il faut mettre ça à l'esthéticien. Eh, puis bouton, mais mange mieux de nos rapides boutons, bouillon. Vinaigre, soignon. On a fait une sauce vinaigrette. Voilà, une sauce vinaigrette. Et là, on mélange tout ça ensemble. Hein. Voilà. Voilà. Le bal est un petit peu trop petit, mais... Ouais, le bal est un petit peu petit, hein. Comment on trouve Jean-Claude? Ben, il trouve le bon, moi. Bah, le bon, il a une bonne texture. Mais... Là, où la fine rajoute un petit peu de coup de manioc dedans, oui, que je ne l'ai pas vu, avec un mélange avec un petit peu de l'eau. Hein. Regarde ça, comment les épées, après la sauce. Ça m'a fait un gros plan, on a voir un coup. Voilà. Hein. Voilà. Ben voilà, maman. Un bon petit carré, puis j'attends soir.
Et puis, dans mon nom de télé, là, comme il y a des gens qui disent non, mon pas secret, là, Marlboro, il y a mon tout plein. Là, là, dans les autres, la recette de A à Z. Bon, d'après toi, mon nom de sommeil dit la recette n'est pas bonne. Ouais, mais si vous habitez Madagascar, A à Z n'existe pas, parce qu'il y a des lettres qui n'existent pas à Madagascar. Demande Richard, demande Richard. Richard, quelles lettres n'existent pas à Madagascar? Q, X. W n'existe pas. N'existe pas. Ouais. Ouais. Vous n'avez pas besoin. C aussi n'existe pas. Ouais. Ah ouais, ouais. C'est vrai ça, Simon, alors hein? Je sais pas. Tu sais pas. Bon, en tout cas, il y a moins que chez nous. Hein. On a jeté. Vous avez jeté? Ouais. Ouais. Ça, c'est à rien. Vous connaissez que dans l'alphabet malgache, on a beaucoup de lettres que la pointe. Il n'existe pas. Ah, il y en a trois là. Ah bon, d'accord. Eh ben oui. La bouteille, la Charline? Ouais, ma bouteille. Et alors, elle est bon? C'est bon, il y a bon goût citron. Il y a bon goût citron? Pour mes familles, tout ça. Ah ouais, avec un gros sel citron là. Hein? Là, donne-moi un morceau, moi, goûter alors. Ah oui, il y a un bon goût citron. Hein? Ça fait baisse au ventre. Et ah bon? Ça fait baisse au ventre. Ouais, de la citron avec. Comme ça, avec salade, sans dérivé. Hein, les bon, mon ventre, c'est bon, lit alors. Si tu peux me manger ça tous les soirs, là, hein, bon, mais laisse mon ventre comme il est. Ah oui, 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 laisse mon ventre comme il est. Miracle au côté. Poissons, oui. Et les braises. Et les braises et les crevettes. Et piment aussi, surtout. Hein? Ouais. Ah, ça, tu aimes ça. Combien? Un bocal piment par semaine? Bah, moi, j'ai demandé à Bernard. À Bernard, hein? Pour faire mes piments et il m'a fait ça. Et dit, ah, c'est Toto qui a fait ça. Toto. Ouais, Toto qui a fait ça. Ça, c'est ouais. L'astron salade. Ouais. Salade. Ouais. Salade l'astron. D'accord. Maintenant, t'es dans la peine longtemps, mais comment on mange? Ah, mais Chili est bon. Eh, là où déplace, ouais. Où fait toute la route là pour y manger un carré Zef. Et ouais. Zef est bien sauté. Un sauté. Un sauté Marlboro. Hein? Voilà. Un sauté. Voilà. Enfin, moi, pas trop compris pourquoi il appelle ça steak, mais enfin, c'est un zèf frit, quoi. Un zèf frit. Voilà, avec la sauce. Comme un carré de zèf. Voilà, comme un carré de zèf. Comme un carré de zèf. Voilà. Ça vous gagne des zèf frit. Voilà, ouais. Et mettez-moi comme ça où il y a un sardine, Pascaval. Eh ben oui. Ben oui, là où il y a un Pascaval. Voilà. Et la tête surtout. La tête surtout. Mais là, on ne peut plus s'arrêter de là. Ah, pas grave. Même dans la nuit, toi, on mange poisson. Ouais, il mange poisson. Hein? Dans la nuit, avec Zarette et tout, pas grave. Tout poisson, il mange sauf le thon. Sauf le thon. Ben, vous connaissez que Pascaval, c'est un petit thon, hein? Ah, c'est vrai? Ouais. Ben, c'est la même famille. Ah, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Mange, pas grave. Ben, oublie cette maladie. Oublie. Bon, ben nous retrouvons une prochaine fois là. Allez, à bientôt. À bientôt. Ah, et merci Marlboro, merci Bernard, merci Toto pour les trois plats. Et Patrick aussi. Et Patrick aussi, hein. Voilà. Et nous pas dit chinois, on a 9 plats, non? Ah, 10, 9, voilà. Et quand on aime, on compte plus. Exactement. Hein? Ce soir, on avait 3 plats. C'est un plat aussi. C'est un plat aussi. Merci. Les bons. Bien, on nous retrouve. Allez, à bientôt.
Regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion. Je vais faire un ranapango. Comment? Ranapango. Ranapango? Ouais. Ça, le riz, les croûtes de le riz, oui. Je vais brûler bien. Oui. Et après, je mets beaucoup d'eau. Oui. Et c'est l'eau qu'on met là-bas sur la table pour boire. Ah, d'accord. Ça fait du bien pour les digestifs. Ah, d'accord. De l'eau de riz. De l'eau de riz. De ranapango, ça s'appelle ranapango. Et Madagascar, on boit ça beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ah, d'accord, voilà. D'accord. Et ça, c'est pour digérer? Ouais. Ah, d'accord, alors. Même si on boit dans le bar, on oui, 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 tu peux dire, oui, un petit coup d'alcool, oui. Et après ça. Ah bon? Ça coupe. D'accord. L'alcool. Ben, les bons, là. J'attends un peu. Et après, tu mets de l'eau dedans. Je mets de l'eau. Là, tu rajoutes de l'eau. Ah, j'ai raté. Tu as raté? Ouais. Et il faut laisser brûler un peu plus que ça, alors. Genre, il faut jaune. Donc, c'est jaune. On laisse comme ça. On laisse comme ça. Ouais. D'accord. Il est jaune encore. T'as vu quand il est un petit peu rouge, oui, comme oui. Ça, et puis il est bon. Il est bon. Ranapang. Ouais. D'accord. Ranapang. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est ranapang. Ranapang, hein? Ouais. Donc, c'est de l'eau de riz. De l'eau de riz, bouillon. Et c'est encore chaud, ça? C'est encore chaud. Parce que ça se boit chaud. Ouais. Ça se boit froid aussi. Il est comme ça, les couleurs. Ah, ouais, ouais. Là, ouais. Il n'est pas bien coloré parce que c'est trop tard qu'on a fait. Ah, d'accord. Normalement, c'est plus rouge. Plus rouge que ça. D'accord, alors, ok. Ouais. Et ça sert à quoi? Pour digérer. Digérer comme l'alcool qu'on mange au restaurant pour digérer. Mais Bassin Labou, c'est pas un restaurant. Je sais pas comment dire ça, Jacques-Claude. Je ne filme pas.